Didier Revillot, bonjour. Nous nous trouvons aujourd'hui donc au Saint-Donat Golf Club, qui est aujourd'hui donc le centre golfique où les projecteurs sont dirigés, notamment pour l'édition du Masters. Alors, on en est à quelle édition ? La sixième. Sixième édition. Je crois savoir que vous êtes à proximité donc d'un grand tournoi international et que vous êtes en somme l'antichambre, la préparation à un grand tournoi. Oui, alors on a créé ce tournoi-là il y a 6 ans, tout simplement pour préparer les meilleurs joueurs français et françaises à participer aux Internationaux d'Espagne, qui est le tournoi le plus relevé d'Europe. Alors on prépare le parcours pour que les conditions soient optimum, les greens les plus rapides possibles et surtout des drapeaux dans des positions plutôt compliquées pour les entraîner à être performants la semaine prochaine. Actuellement est en tête un enfant du pays, un nouveau membre. Oui, c'est ça. Notre David Larvaon, qui a joué une carte extraordinaire hier de moins 8 et qui aujourd'hui tient bien la baraque. Donc il est aux alentours de plus 2 au passage du 9. Donc c'est plutôt une très bonne journée. Donc on peut dire que Philippe Larvaon, découvreur de talent, mais géniteur de talent aussi. C'est ça. Après Romain, qui lui a joué moins 6 hier, eh bien, David, moins 8, c'est un bon présage pour l'avenir. Le tournoi se joue sur combien de tours ? Sur 3 tours et le dernier tour sera demain. Premier départ 8h30, dernier départ 11h30. Il y a un cut ? Oui, ce soir. Combien donc resteront dans la course ? Sur les 60 garçons, il en restera plus que 30 et sur les 30 filles, 18. Premier départ ? 8h30. Bon, Didier, merci et puis à demain. Merci, à demain. Cette deuxième journée. Eh bien écoute, pour l'instant on a fait 9 trous là, et David a eu un petit souci sur le départ du 2 là, il a mis la balle à gauche donc il a pris un double, mais depuis ça va, il est toujours à plus 2. Voilà. Donc on garde espoir là. Oui bien sûr, il fait du mieux qu'il peut, il s'accroche.